My Lions, nous sommes de retour sur les plages de la Croisette pendant les Lions. Et ça tape dur, mais ça va bien se passer. Tu envoies le générique. Allez, c'est parti. Voilà, on se retrouve au French Camp et beaucoup de monde, beaucoup d'ambiance. C'est parti, on y va. Alors Yannick, début de semaine canoise, j'ai cru comprendre que ça tombait déjà pour Havas. T'as quelques mots à nous dire ? On peut pas trop le dire, mais les nouvelles sont plutôt bonnes. Les équipes ont le sourire et la saison des Lions commence sur les meilleurs augures. Donc on est plutôt confiant, il reste encore une semaine, mais pour l'instant ça démarre plutôt bien. Toujours la grande soirée jeudi ? Oui, jeudi, je vous attends au Platine, au Havas Café. Y a déjà pas mal de monde, je crois. Hein. C'est Fabrice qui tient la Platine avec toi. Voilà, quoi. C'est surtout Fabrice qui tient la Platine et moi qui vais venir à côté de lui. Merci Yannick. Énième Cannes Lions pour la RPP. C'est quoi l'actualité cette année ? Pour l'ARP, c'est toujours soutenir notre membre, que sont les associations des agences, conseil de communication, mais pas que. Ensuite, c'est de célébrer les 80 ans de la Chambre de commerce internationale, le code qui nous, finalement, nous anime, nous gouverne, nous guide. Donc c'est le code, et on remercie vraiment beaucoup Yannick Bolloré d'avoir finalement soutenu ces 80 ans. Bien sûr, notre jeudi de l'ARP. L'apéro de jeudi. Et puis on parlera beaucoup et on continue à avoir nos amis influenceurs parce que notamment le 28 juin, cette fois-ci, on remonte à Paris et on fait une petite réunion avec les influenceurs, les annonceurs, bien sûr, les agences pour juste ensemble parler de ce qu'est la meilleure des pratiques pour dire que c'est une relation commerciale ou que c'est de la pub parce qu'on doit partout respecter nos consommateurs et bien les informer. On sera là. Merci. Média Transport au Cannes Lions, tu peux nous en dire deux mots ? Média Transport est en pleine forme, on développe la créativité sur nos écrans numériques, ça cartonne, tout va très bien, donc on est venu ici. Voilà, même s'il y a deux co, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est nos amis. Super ! Nicolas Comcast, voisin donc du French Camp, ça se passe comment ? Ça se passe très bien et on est très content puisqu'on a été une start-up française rachetée par des Américains et en fait on est en train de grossir. Tout va très bien, c'est génial. Cannes, c'est parfait. Rosé et business. J'aime bien l'idée du rosé et business. Bon, sérieusement Nathalie, pas trop triste d'avoir quitté Marcel ? Je suis pas triste d'avoir quitté Marcel parce que je quitte pas Marcel en fait. Je quitte pas les gens, j'ai quitté l'agence mais je continuerai de revoir Pascal, Charles, et ce sera des moments encore plus sympas. Donc aucune tristesse, donc c'est des gens super et je les aime du fond du cœur. Donc, mais je retrouve une agence qui est tout aussi belle, avec des gens tout aussi talentueux. Voilà, il n'y a pas de comparaison, c'est une nouvelle aventure en fait, donc je suis contente. Ouais. C'est beau ça. Alors ce passage éclair au Cannes Lions, qu'est-ce que tu en retiens ? J'en retiens de belles rencontres, j'en retiens quelques idées un peu disruptives et du fun. Et du show, en fait, aussi vachement. Ah, ça, il fait très chaud, oui. Tu repars demain ? Demain matin. Bon, bah, cool. En tous les cas, c'était cool de te voir à Cannes. Ouais, merci beaucoup, c'était cool, Pascal. Merci. Voilà, My Lions, on est en plein dedans, on va enchaîner. Mais pour vous, c'est terminé et on se retrouvera donc demain. Ciao. Yeah.